Ouais, ça fait du bien, oui. Il y en a qui se sont ressourcés, il y en a d'autres qui ont continué à travailler. Voilà. Il y a eu de la récup et du travail en même temps. On a régénéré certains qui avaient des problèmes au pubis, qui avaient de la fatigue, et d'autres qui avaient besoin de plus travailler. On a individualisé et on a essayé de bien gérer ça pour que tout le monde soit un bon niveau pour les 9 derniers matchs. Mais c'est toujours à la même période, il y a toujours à gagner les matchs, c'est tout. On arrive dans une période où aujourd'hui on n'est pas largué, mais on peut être largué. Si on, il faut qu'on fasse carton plein à la maison et qu'on arrive à gagner. On va jouer les concurrents directs. On va aller à Nice dimanche, on va aller à Saint-Étienne, voilà, on va avoir des matchs à Strasbourg, des matchs intéressants à jouer. Il va falloir bien les aborder pour les gagner. Et il n'y a plus à calculer, bien sûr, il faut être performant et dans tous les domaines. Voilà, vous les avez relatés, on a eu beaucoup de lacunes depuis janvier, défensivement, on prend trop de buts, même si sur les derniers matchs, on est à 2 buts par match, mais on n'arrive pas à gagner. Voilà, il faut qu'on arrive à retrouver l'efficacité dans tout le domaine. Ça change rien. Pour moi, ça change rien. C'est un match important pour eux, pour nous. Voilà, si on veut faire une bonne fin de saison, je te dis, il faut qu'on gagne nos matchs à domicile. Quand ça fait un moment qu'on a gagné. Un peu tout, moins bon dans l'utilisation du ballon, parce qu'on le perd trop vite, ça nous fait faire des efforts inutiles pour la récupérer. Efficacité défensivement, là, on est défaillant, on défend moins bien, voilà. On défend moins bien collectivement et on fait des erreurs qu'on faisait pas. Sur la phase aller, voilà. C'est pour ça qu'on prend plus de buts. Et puis quand tu mènes 2-0, comme on a pu le faire contre Angers, et tu as des balles de 3-0, tu ne les mets pas, et derrière l'adversaire revient. Voilà, c'est des points perdus bêtement, mais parce que l'adversaire a été meilleur que nous aussi sur des séquences de jeu ou sur des mi-temps, était bien meilleur que nous. Non, mais il faut qu'on retrouve l'enthousiasme qu'on avait en début de saison. Là, il faut qu'on retrouve. Mais c'est toujours difficile parce que tu arrives en fin de saison, il y a certains qui ont des objectifs différents dans leur tête. Mais bon, on fait un sport co. Il faut qu'on retrouve. On a la grande majorité de nos joueurs qui doivent être mobilisés parce qu'ils sont tous sous contrat chez nous. Et on doit retrouver l'enthousiasme, c'est ce que j'attends, retrouver l'enthousiasme, l'agressivité, la détermination qu'on y mettait sur la phase aller. Il faut qu'on retrouve ça pour gagner les matchs. Ouais, mais c'est parce que tout le monde a des passages à vide, il n'y a pas que nous. Et voilà, on est toujours là. Nice nous est passé devant. Hier soir, et maintenant à nous de faire ce qu'il faut pour leur repasser devant pour faire un bon match dimanche là-bas, parce que ça va se jouer. Faut gagner les matchs, faut arrêter de faire des nuls, il faut voilà, c'est prendre des points pour avancer plus vite que l'adversaire.